بلايص لي ملاح لي فيزيتي في بني حميدان فيل. كنخلصو بني حميدان نطلعو لا فوغي بوغ بيكنيك، اون غادي سانستالي اون جروب اون فامي، ونحبسو الساعة اونتخ طون، دوك نحبسو في باش نقضيو واش خصنا لو ما تجيبوش باسكو طلعو علينا حنايا، ما تجيبوش كيما لي كاسكات بس البولا كاين شفاعة لي كاسكات حبش جابو ما جابوهمش. وعندنا فيغ لا فوغي بيكنيك اون بلان اير، قاعدة شوية هكا مع بعضنا مالو. كاين انجيدا وسنانا تما، كاين جاي كالكان كي اخي دي انفواد كي اخي بوكو كي كي انتريكسيو دو سيدي كي با نو فار كومون دي لاس با نو فار ابي كي با نو لير سي بوام فوالا جانب الثقافي سيدي سامي دخلنا في عصر الثقافه عصرنا عصر الثقافه 2015 décontracté, on va passer sur une belle journée. Et on va... Thank you.
Donc ça a servi parce que Hada le site, il ne faut pas le voir, c'était une montagne couverte. Oui, il reste encore à découvrir parce que vous savez, les archéologues français, pourquoi ils ont beaucoup travaillé en Algérie? Pour la simple raison, pour justifier la colonisation. Donc ils étaient à la recherche d'un alibi historique et archéologique pour justifier la colonisation elle-même. Et c'est pour ça qu'ils s'attellent toujours à mettre en évidence la civilisation romaine. Donc ils disent que le site de Hadak, tout est romain. Alors que Tidis, pour vous dire, les Tidis, contrairement à ce qu'on voit à l'entrée, c'est des ruines romaines, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ouais. C'est plus que ça. Vous allez voir, il y a des sites qui sont antérieurs à l'époque romaine et qui s'étalent dans le temps. Voilà. Donc pour l'étymologie, c'est le terme Tidis. Pourquoi elle s'appelle Tidis? Tidis, en romain, elle s'appelle Castellan Tidinarum. Ça veut dire la citadelle Tidis. D'accord, Castellum, ça veut dire citadelle. Pourquoi Castellum? Là, vous trouvez Castellum, ça veut dire c'est une cité garnison. C'était un site militaire. Voilà. Donc, un site militaire. Pourquoi un site militaire dans ce point précis? Pour stratégique. Pour simplement pour protéger certains immeubles qui étaient de villes antiques très importantes. Et comme vous avez vu ce soir, le point de guet, les chenefs flamands, c'est pour justement servir d'avant-garde pour Tidis. Donc Tidis surveille Sirta et Milan, ou le point Hedek surveille Tidis. Et on va le voir en haut. On va voir le et il communique par le feu. Oui. Donc lorsqu'il y a une éventuelle attaque, il y a une alerte par le feu. Oui. Donc Tidis, actuellement, il y a deux noms à partir de Tidis. Aïtola Rasdar ou Aïtola Ksantena Kdima. Voilà. Rasdar, pourquoi Aïtola Rasdar? Parce que il y a la racine Tidar. Les Kenin, les Goulous, la racine Tidar, le mot Tidis, c'est Tidert. Tidert en berbère, ça veut dire un site de vie. Ça veut dire le village. Village, oui. D'accord. Mais en réalité, connaissant la langue berbère, ça ne peut pas être la racine Tider. Tider, de la racine Ider. Ider, ça veut dire vie. Vivre. Idir, ça veut dire vie. Vivre. D'accord. Donc, la racine, le mot Tidis, pour racine Idis. Idis en berbère, ça veut dire le flanc. C'est le flanc par rapport à quelque chose, par rapport à Sirta. Et vous voyez Sirta. Ouais. Vous voyez, donc c'est le flanc de Constantine. Ce que vous voyez à l'horizon, c'est qui est Sirta? C'est qui est Constantine? On travaille directement au niveau élevé.